amener le dernier plat. Attention, on ne touche pas. On ne touche pas avec les mains. C'est la fosse. C'est la fosse selon Fantin. Et Amantine, tu me dis... C'est la vraie. Oui, alors aujourd'hui on est très content. Et pourquoi, Fantin, tu sais? Real Food versus Squishy. Squishy Food. Alors, les Squishy Food, bah, ça c'est vraiment une nouveauté absolument géniale. Je vous indiquerai en fin de vidéo où est-ce que je les ai trouvés, ces Squishy Food. Alors Amantine, elle mange son bandeau là parce qu'elle a hâte de commencer. Et vous connaissez tous le principe du real food versus gummy food. Mais cette fois, on va faire du Squishy Food. Et on va commencer tout de suite avec le premier plat. Alors petite variante avec le gummy food, c'est que cette fois, vous allez devoir renifler pour me dire... lequel a la vraie nourriture et lequel a la fausse nourriture. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oh là là, ça remue et ça remue. Alors, vous allez sentir. Attendez. Hop. Je vais changer. Ah, vous voulez changer, d'accord. Alors, on change. Attendez, vous touchez pas et vous sentez. Vous sentez. J'ai la vraie. T'as la vraie et toi? Moi, j'ai la moyenne. Toi, t'as la moyenne. Donc, voilà. D'accord. Eh bien, je crois que vous avez raison tous les deux, vous pouvez regarder. Oui! Effectivement, voilà, c'est un donut. Et Amantine, qu'est-ce qu'elle a? Ah non, non, ça se mange pas! Et non, c'est un, regarde, attention. Ça, c'est un Squishy Food. Regardez comme il est beau. Il est assez génial, hein. Il est vraiment hyper bien fait. Mais ça ne se mange pas, ça sent exactement comme le donut. Mais ça ne se mange pas. Voilà, donc c'était le premier Squishy Food. Donc Fantin a mangé une part de son donut. Voilà, ils se font des petits échanges. Est-ce qu'il est bon, Amantine? Mais il est rigolo ce jouet, hein, t'as vu? C'est marrant, on dirait vraiment un vrai, hein. Alors voilà, les Squishy Food, ça vient du Japon. C'est juste génial comme truc parce que c'est imité à la perfection. Bon allez, je recapture ce squishy que je vous remonte quand même. Je résiste pas parce que ce qui est marrant, c'est que vraiment c'est tout mou comme ça. Ça se... Voilà, ça... C'est mou comme... Hein, pas permis. Hein. C'est drôle. Hein. Donc là, il y a un point pour Fantin en fait. Hein. Allez hop, c'est reparti. Ça repart en cuisine. Tu me redonnes ton donut ou tu le gardes, Amantine? Je le garde. Tu le gardes, d'accord. Ok. Elle le garde. Je repars en cuisine, j'arrive tout de suite les enfants. Alors, voilà, est-ce qu'on échange les enfants? Oui, oui. Oui, vous échangez? Non, ah, oui. Non, oui. Non. Non, oui, non. Allez, on va faire plaisir à Amantine, c'est la fille. Après, ce sera Fantin qui décidera. Alors, vous allez pouvoir le sentir, surtout, vous ne le touchez pas. Vous ne le touchez pas, on sent. Je dirais faux, le faux. Le faux, bravo Fantin. Et Amantine, elle a le vrai. Et si tu veux marquer le point, Amantine, voilà, il faut croquer dedans une fois. C'est pas un... Mais il n'y a pas le steak et tout. Bah non, c'est un buns. Eh, hey, mais c'est une balle en fait. C'est un raton laveur buns, tu vois. Ça reprend sa forme. C'est rigolo, hein. T'as vu? Ça reprend sa forme après. Eh ben oui, ça reprend exactement sa forme. Tandis que Amantine, elle a un buns classique qui, une fois qu'il est mangé, eh ben il reprend pas sa forme lui, hein, tu vois. Vas-y, montre un petit peu à nos amis comment ça se remet. C'est assez... comment ça se remet tout seul en fait, hein, Fantin? Bah en fait, faut attendre. Ouais, regarde, attends, là je le vois là. Là, il se déplie tout seul. Ah ouais, il dort. C'est excellent ça. Amantine, elle mange un bun comme ça. C'est pas... Y a un raton laveur dans son bun, Amantine? Non. Non, il n'y a même pas de raton laveur. Il est trop... Regarde le raton laveur. t'as pris le... Tu sais comment il s'appelait? Albator, ça. C'est un jouet de mon enfance. Albator. Bon,
Allez, on passe au troisième plat. Oui. Allez, là, on y va. Là, c'est Tarzan. Ça, c'est le mien, je le garde. Tiens, tu le gardes. Là, c'est les cheveux de Tarzan. Exactement. Tiens, je te redonne ton bandeau. Et je vais chercher la suite. Donc, pour l'instant, nous sommes à un point partout. Donc, voilà. Alors là, maintenant, vos plats sont arrivés. Je ne veux pas changer. Tu ne veux pas changer, non. D'accord. Fantin, tu veux quoi? Tu veux changer ou pas changer? Je sais pas, oui, bon, ok. Tu ne veux pas changer? Oui, ça ira. D'accord, tu ne changes pas. Bon, alors attendez, je vais vous faire sentir un à un. Donc Fantin, il va sentir... C'est la fausse. C'est la fausse selon Fantin. Et Amantine, tu me dis... C'est la vraie. Fantin avait raison et Amantine aussi. C'était bien la vraie nourriture pour Amantine et la fausse pour Fantin. Une fraise géante, oui, une squishy japonaise magnifique. Maman? Oui. Tu sais, en fait, et celui-là, on dirait un vrai. Ouais. Le deluxe, on dirait un vrai. Ouais. Mais là, on voit vraiment que c'est pas une vraie. Bah non, c'est sûr. Sinon, c'est une XXL et là, on a dû... On a dû lui mettre des produits pour la doper, c'est ça? De mutation. De mutante. Voilà, c'est une fraise mutante, effectivement, effectivement. Elle est énorme. Une fraise qui a eu quelque chose pour grandir. Ouais. Alors Amantine a mangé sa fraise. Donc ça lui fait un point. Et si je ne me trompe pas, du coup, c'est de 1 pour Amantine. Hein. Et oui, elle est passée donc, en tête. Donc, alors, ce qu'il faut dire, c'est que je dois, au prochain tour, gagner. Je vous montre cette fraise. Superbe. Superbe, magnifique. Alors, c'est vraiment une fraise, comme dit Fantin, c'est une mutante. Hein. Vous voyez? Et hop, je la squish. Et regarde. Je sais pas si on dit je la squish. Tu mets la fraise sur le nez, c'est ça? Comment on dit? On dit je la squish. Et ça aussi, ça sent bon. Le truc là, ça sent bon? Oui, parce que ça sent vraiment la fraise. Hein. Alors je la squish. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour votre dernier plat? Ouais! Allez, je remballe la fraise. Tu la gardes avec toi, d'accord? Oui, alors, je vais chercher. Vais gagner avec ça. Alors, voilà, j'ai amené le dernier plat. Attention, on ne touche pas. On ne touche pas avec les mains. Et on va le respirer, vrai ou faux, vrai ou faux. Faux selon Fantin, attention Amantine à toi, vrai ou faux, vrai ou faux. Vrai. Elle a touché, bon c'est pas grave. Alors vrai, et ben vous avez bon sur tous les deux. Oh. Mais je crains que Amantine ait gagné cette partie. C'est pas grave, j'adore, j'en ai trois. Alors c'est quoi Fantin, montre-nous. Moi c'est la géante. Waouh, elle est belle. Vraiment, elle est... Ah, tiens, elle préfère les glaces. À vrai dit, je n'aime pas trop les glaces. Donc, donc ça va. Fais voir cette glace. Non, mais les glaces aux Smarties, je n'aime pas. Regardez cette glace aux Smarties. Cette squishy. Attendez. Je la sens. Ça sent vraiment comme la glace à la fraise. Quoi. C'est un truc de dingue. C'est juste assez... Attends, je vais mourir. La squishy. Oui, je vais te ouvrir, ma chérie. Eh ben, fais voir. Oh, j'en prends un peu. Non, on en donne un peu à nos amis quand même. Non. Tu donnes pas à nos amis? Non. Alors voilà, bah écoutez, c'est squishy. Je les ai trouvés sur cutesquishy.fr et franchement, je suis pas déçue parce que je trouve qu'ils sont géants et assez géniaux. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. Mettez-nous un petit commentaire. Dites-nous si vous avez déjà vu des trucs comme ça. Mais c'est incroyable comme tout avec, ça. Mais on a complètement oublié celui-là en fait. Ah ouais, mais celui-là il est petit mais il est hyper bien fait quoi. Regardez le détail quoi. On dirait vraiment un vrai donut quoi. Oui, parce que celui-là il est vraiment bien fait alors que les autres ils sont pas... Ouais, ils sont moins... C'est vrai. Vraiment... Enfin, lui il est pas vraiment fait pour être... comme ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que les autres ils sont hyper agréables à toucher et tout, mais en revanche ils sont beaucoup moins réalistes. Oui, c'est ça. Ça, tu vois ça dans la rue, tu dis ah non, c'est pas un vrai. Alors là, tu te balades dans la rue comme ça en faisant semblant de le manger. Là, et là les gens y croient, effectivement. Oui. C'est vrai, tu as raison. Mais écoutez, cette note réaliste de bonne humeur, on vous fait plein de gros bisous. On vous dit abonnez-vous, partagez. Qu'est-ce qu'on peut dire, Fantin? Mettez-nous un...
Oui, mais là, sans, c'est pas non plus l'odeur du hamburger. Là, ça sent le caramel, ça. Et sent. Ouais. Oh, bah, ça sent la framboise un petit ça peu. Ça sent le caramel, mais alors pourquoi c'est un hamburger C'est un raton laveur buns. Je sais pas, c'est peut-être un truc qu'ils mangent au Japon. Hein. Si vous avez la réponse, dites-le nous hein, en commentaire. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez une autre vidéo avec les squishies, vous nous le dites. Abonnez-vous, partagez, petit commentaire. Et surtout, faites partie de la... famille. Gros bisous, on les ajoute à la famille, ceux-là. Gros bisous, à ciao.